Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour eh bien, une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir en introduction, c'est joli ça, ces petites images là qui montrent un nouveau full kit, et oui, qui débarque sur la chaîne. Quelle joie, quel plaisir d'entamer cette Subaru. Alors c'est un décor là que j'ai découpé sur le full kit, vous avez pu voir hein, comme c'est hyper complet, comme à chaque fois que l'on voit un full kit, c'est le troisième ici sur la chaîne, après la Volvo Amazon 122S qui a été vraiment de très très belle qualité, après la 300SL que nous venons de terminer sur la chaîne il n'y a pas si longtemps de cela, et bien aujourd'hui on s'attaque à la Subaru Impreza WRC de 2003. Regardez-moi cette merveille. Alors franchement, c'est super classe, super jolie. Elle est ici, elle est là. Le petit livret que vous n'avez pas vu tout à l'heure dans la présentation vite fait du full kit. Et puis les boîtes avec le rangement des vis. Alors dans le full kit, il n'y a qu'une boîte de fourni, mais il n'y a pas assez de rangement pour chacune des vis. Donc il en faut une deuxième de boîte. C'est pas ce qui manque chez moi avec toutes les maquettes que je fais. Donc j'ai récupéré une ancienne boîte d'une ancienne collection que je ne faisais plus. J'ai retiré toutes les étiquettes, les vis, je les ai mis de côté. Et j'ai repris une boîte toute neuve. Et là, je suis parti pour du beau montage avec les métals d'un côté, les plastiques de l'autre. Vous le savez, hein, toutes les lettres qui se terminent par M, c'est métal. Par P, c'est plastique. Là, c'est pareil. Deux parties en métal. Et là, on termine par du plastique. Il y a quand même beaucoup de vis en métal. C'est une grosse majorité, hein, le métal. Alors, le LM, c'est une vis. Le DM, LM en vis et HM qui va être prédominant dans la maquette. Le EP pour le plastique et un peu de AP. Sinon, voilà pour les vis. Et puis, voilà, hein, ça va être très joli. J'ai bouquiné le livre. Alors, on va juste monter le premier numéro. Hein, honnêtement, on va y aller progressivement. Vous savez, pour la 300SL, j'ai mis 6 mois hein, pour la faire. Donc, je l'avais acheté le 1er juin et puis je l'ai terminé là, le 10 décembre. Donc, on va y aller tranquillement. Pareil pour la Subaru. On commence là, aujourd'hui, avec juste le premier numéro. On verra la roue plus tard. C'est juste le capot. J'ai feuilleté, bien sûr, tout ce fascicule, enfin, tout ce book. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire sur ce modèle. On est sur 859 pièces. Il faut y aller étape par étape. On est vraiment sur un très, très beau modèle aux finitions exemplaires. Bravo à XO Collection. Franchement, des photos que j'ai vues, ça promet d'être très, très lourd pour la suite. Franchement, il n'y a pas à dire. Hein. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est mauvais, il faut le dire aussi. Ça, vous voyez, le levage des fenêtres, c'est une première. Ça, c'est très, très beau. Très, très bien fait. Voilà, donc on va voir tout ça étape par étape. Il n'y a qu'une étape, moi, qui me fait un petit peu peur. Eh bien, c'est ça. Hein. C'est toutes ces bandes jaunes là que vous voyez ici. Tout ça, c'est du décalcomanie. Apposé, bien sûr. Donc, toute cette partie jaune sur la porte, elle arrive. La maquette, elle est livrée, toute bleue, hein, toute nue. Hein. Vous avez pu la voir quand on a déballé le full kit tout à l'heure. Les portières sont toutes bleues. Là, c'est pareil, c'est un décalcomanie, les étoiles. Et là, il y a un autre décalcomanie. C'est qu'il est très, très long. Il faut vraiment que ça s'adapte parfaitement sur les poignets. Donc là, ça va être coton. C'est la dernière étape. Hein. Honnêtement, c'est quelque chose que l'on verra, je pense, au printemps ou à l'été, si je suis aussi lent que la 300SL pour la montée. Donc vraiment, ça sera à la toute fin, toute fin. On attaque avec, bien sûr, le premier numéro. Alors, on va voir un petit peu ce que nous propose le petit dépliant. Subaru Impreza, championnat du monde de rallye, très beau modèle ça encore, full kit que j'ai reçu il y a quelques jours, hein, mais j'ai pas eu le temps de monter, hein. Bien sûr on commence hein, ensemble, hein, puisque voilà, il y a le travail, il y a mes occupations, voilà tout ça, et là le numéro 1, voilà, ça va être la calandre, j'aurais bien aimé que ce soit marqué en français, moi dedans, pourquoi pas. C'est plus pratique pour quand même expliquer vraiment, détailler les pièces, parce que je me débrouille un petit peu en anglais, mais de là à vous traduire en français ce que veut dire fog light ou lower band, voilà, je ne suis pas assez poussé dans le mécanique English, quoi, voilà.
les vis. Ici, on va installer tout ça proprement. On a déjà le premier tournevis de fourni. Voilà, et on installera le petit logo ici avec deux vis BM. Le dessous ici avec quatre petites vis CM. Et la petite plaque ici, un H. Tout simplement un H qui correspond à ça. Voilà, un H. C'est un stickers. Voilà, donc c'est un joli montage qui nous met l'eau à la bouche. Vous voyez la roue déjà, elle va être très très belle. Mais on va juste faire le numéro 1. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti. Je viens de déballer le numéro 1. Et là, ce qui me frappe, hein, c'est vraiment la beauté de la peinture. On est vraiment sur une finition que je pense que je n'ai pas vue sur les maquettes que j'ai déjà. On n'est pas sur une simple peinture. On est vraiment sur une peinture métallisée là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Mais là, moi, à l'œil nu, malheureusement, je ne filme pas en 4K puisque YouTube ou même personne ne lit ces vidéos en 4K sur le portable. Mais là, franchement, je suis sur une qualité. J'ai un grain brillant, plus un vernis brillant par-dessus. La qualité est juste incroyable. Hein. C'est juste incroyable. Hein. Rien que la peinture, sans logo, ça l'aurait fait aussi. Hein. C'est magnifique. Franchement, topissime. On a préparé deux vis AP. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais les vis, je les ai préparées déjà dans les boîtes. Ils arrivent dans une petite boîte comme ça, avec des gros sachets dedans, des grosses poches de IM, des grosses poches de LM. À vous, après, de les transférer dans les boîtes. Hein. Bien sûr, hein, la boîte, elle n'arrive pas toute prête. Hein. L'autocollant aussi, c'est à vous de mettre. Voilà, ça, c'est une belle étape. J'en ai eu pour une belle petite heure, hein, pour tout transférer. Hein. Voilà. Allez, et là, il y a quelques petites pièces. Donc, on prend notre calandre. On va prendre ces deux petits caches, ici, en plastique. D'accord ? Qui sont, pareil, identiques. Et on va venir les fixer ici avec le décalcomanie qui tombe parfaitement, bien propre, ok, bien en place. Et à l'arrière, eh bien, on va venir le mettre, on va venir fixer une petite vis AP avec le très joli tournevis que XO vient de fournir. Il est déjà aimanté, parfait, sinon un petit coup d'aimant. Un petit coup d'aimantation. On visse ça avec la vis AP. Voilà. Ah, c'est beau, hein. Oui, c'est très très beau. On prend la deuxième vis AP. On met la deuxième ici. Voilà, et on la maintient de l'autre côté pareil avec la vis AP. Parfait. Ensuite, on va prendre ces deux petites pièces ici, comme des petits ailerons. On prend deux petites vis AM, on va la positionner ici, là, voilà. Et on va mettre deux vis AM à l'intérieur. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. On fait pareil de l'autre côté. Ici. Et on y met pareil deux vis AM. Ensuite, on va récupérer ce petit insigne là. On le glisse à l'intérieur, ici, voilà. Et au fond, on va y mettre deux vis BM cette fois-ci. À l'intérieur, ici, deux vis BM pour maintenir la pièce en place. Et on fait pareil pour la deuxième. On récupère maintenant
cette barre, on va dire le bas de calandre, ok, et on va venir tout simplement le fixer avec 4 vis, 4 petites vis CM, ce sont des petites vis à tête plate, donc on la positionne proprement, voilà, et une fois en place, eh bien on la fixe avec les 4 vis, voilà, et on fait pareil pour les 3 autres. Voilà, ensuite il faut rajouter 2 autres vis CM de chaque côté, ici et là. Et voilà le résultat que ça donne avec les 2 pièces ici, les petites étoiles, le dessous. Et on va terminer par rajouter le stickers, l'autocollant S40WRT. Donc là on n'est pas sur une décalcomanie, on est vraiment sur un stickers. Il doit être vraiment au milieu, ici. Voilà. Je vais essayer de le remettre un petit peu droit, peut-être. Il n'est pas droit. Là, c'est compliqué de le mettre droit, ça. Alors, on va le soulever délicatement. Hop, je ne l'ai pas collé. Et voilà le résultat avec l'autocollant. Bien positionné, bien droit. Mais écoutez, que dire? On a une très belle peinture, ça je l'ai déjà dit. Des décalcomanies très bien posées. Là, c'est bien vissé, parfait, il n'y a rien à dire. Top. Écoutez, ça annonce du très très beau pour la suite. Hein. Voilà, ça nous met... l'eau à la bouche hein, pour la suite, pour la roue, pour le numéro 2 et pour les 110 autres numéros, hein, 109 autres à venir. C'est une longue étape qui commence de cette belle collection de la Subaru Impreza WRC de 2003. Alors si cette collection vous plaît, enfin si ce full kit vous plaît, n'hésitez pas, ne tardez pas trop à vous le procurer car les quantités sont très limitées. Et je pense que ça restera pas bien longtemps sur le site d'IXO Collection au vu de la qualité de ce produit. Donc n'hésitez pas à en profiter, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne hein, si vous voulez me suivre dans ce montage. Il n'y aura pas du montage à la chaîne, hein, ça c'est évident. Ça ne sera pas à la chaîne, ça sera tranquille le dimanche. Hein, 2 numéros quand j'aurai le temps et quand il n'y aura pas d'autres colis à venir. Mais en tout cas, on est sur un très très beau modèle de qualité. Pareil qu'au Japon, de mes sources. Donc, ça promet d'être très, très qualitatif. Hâte de commencer le numéro 2 avec vous. Alors, on n'oublie pas hein, d'activer la petite cloche de notification. Vous le savez, hein, grâce à celle-ci, vous serez averti par mail lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Alors, on s'abonne, on active la petite cloche de notification et on reste bien sûr connecté pour de prochaines vidéos. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive bien sûr notre passion pour le modélisme. Ciao.